Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère bien, sinon chez moi pas mal. Bienvenue sur ma chaîne Réclame Instant AirDrop. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment toi tu peux réclamer 100 Solana WAV dans ton portefeuille. Trop soit les amis. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te montrer de A à Z comment tu vas réclamer cette nouvelle AirDrop. Voilà. Donc, pour commencer, je laisse les liens en bas de la description. Donc, une fois que tu as cliqué ces liens, donc, tu te dirigeras directement dans cette phase qui est là. Vous voyez? Voilà. Donc, regardez. Et réclame Solana dans Trust Wallet, tu vois. Donc, tu suis les étapes qui est là. Donc, avant ça, tu dois copier d'abord les liens qui se trouvent ici. D'abord, voilà. Voilà, tu vois, il y a les liens ici. Donc, ces liens-là, tu dois copier. Donc, tu appuies un peu. Après, ça va sortir comme quoi, ouvrir, copier. Donc, tu cliques sur copier ici. Une fois que tu as copié les liens, donc maintenant, tu vas sur ton portefeuille Trust Wallet. Avant ça, je vais te montrer ici. Tu vois, ils ont dit que 1 VAC Solana est égal à 10 dollars. Tu vois ici. Donc, toi, tu vas réclamer 100 dollars. Donc, 100 fois 10 est égal à combien? Toi-même, tu veux calculer ça. Voilà. Donc, maintenant, une fois que tu as copié les liens, donc, tu vas sur ton portefeuille. Voilà. Trust Wallet. Voilà. Tu viens sur Trust Wallet. Voilà. Ou MetaMask, ça dépend de toi. Voilà. Si tu as un portefeuille MetaMask, voilà, tu peux réclamer sur MetaMask aussi. Donc, je vais. C'est mon portefeuille, je ouvre mon portefeuille. Voilà. Donc maintenant, une fois que vous ouvrez votre portefeuille Trust Wallet ou votre portefeuille MetaMask, après, vous cliquez sur Dapps. Voilà, là, voilà, dans le navigateur Dapps. Voilà, vous cliquez sur Dapps. Une fois que vous avez cliqué sur Dapps, les amis. Donc, ça serait comme ça chez vous, vous voyez. Ce sera la même chose chez vous. Voilà. Donc, maintenant, en haut, ça va être ici, recherche ou entrée, LURL. Donc, ici, et vous collez les liens que vous avez copiés tout à l'heure. Donc, c'est ici que vous devez coller. Donc, vous appuyez avec vos doigts un peu. Après, vous le soulevez et vous cliquez sur coller. Vous voyez, ça sort coller. Donc, vous cliquez sur coller. Et là, tu vois, le lien, il est collé dans la barre de recherche, tu vois. Donc, si tu as collé les liens, donc si le clavier n'est pas sorti sur ton écran, tu vois, il n'y a pas de clavier ici. Voilà. Donc, tu cliques n'importe où ici. Là, voilà. Tu cliques comme ça et le clavier, ça va s'afficher, tu vois. Après, tu cliques sur Entrée. Voilà. Tu cliques sur Entrée. Une fois que tu as cliqué sur Entrée, donc maintenant, tu dois changer aussi l'icône de l'Ethereum qui est là, qui est tout en haut ici. Tu vois, il y a un petit icône qui est là en haut. Donc, tu cliques dessus. Une fois que tu as cliqué dessus, ça va être comme ça chez toi. Donc, tu changes sur ma chaîne. Tu changes avec ça sur ma chaîne. Voilà. Tu cliques sur ma chaîne. Et là, tu vois, c'est changé. Voilà. C'est comme ça, ok? Une fois que tu as fait ça, maintenant, tu descends tout en bas, les amis. Tu descends tout en bas. Soit tu cliques ici directement, ou bien tu descends tout en bas, tu vois? Tu descends tout en bas. Je vais te montrer en bas, voilà. Ils ont dit, si tu voulais acheter, c'est ça, à partir de 0.01 BNB. Voilà, si tu achètes ces 0.01 BNB. Et tu vas avoir 500 Solana WAV, tu vois, voilà. Donc, ainsi de suite, si tu achètes sur 0.1 BNB, tu vas avoir 5000 Solana ici, ainsi de suite. 1 BNB, tu vois, 6 BNB, jusqu'à 6 BNB, les gens qui veulent acheter, c'est comme ça, voilà. Donc, pour la réclamation, c'est ça, réclame 100 Solana WAV, tu vois. Donc, pour la réclamation, c'est ça. Donc, aussi, il ne reste que 39 jours, 11 h 15 minutes. Voilà, tu vois, là où même je vous explique. Voilà, donc il ne reste que 39 jours pour la réclamation et les achats. Voilà, les gens qui veulent réclamer
et les gens qui veulent acheter, voilà. Donc, il ne nous reste que 39 jours, voilà. Ici, si tu voulais acheter, tu vois, bail, voilà, tu cliques sur bail. Après, tu entres le montant ici, 0,1 ou bien 0,5, ça dépend de toi, voilà. Après, tu cliques sur bail pour faire les achats, voilà. Donc, ici, ils ont dit générateur référal LinkedIn, voilà. Donc, les gens qui veulent, parce que je vous conseille aussi de parrainer, c'est bien. Hein. Ça vous permet de gagner du BNB gratuitement. Les gens qui ne savent pas comment avoir du BNB, si tu réclames d'abord, la réclamation aussi, il faut avoir du BNB, tu vois. Donc, si tu veux avoir tous les jours, si tu veux avoir du BNB sur ton portefeuille, donc tu partages ton lien. Voilà, si tu réclames les airdrops, après tu partages ton lien avec tes amis, avec des groupes Facebook, voilà. Voilà, il faut partager quand même pour que tu gagnes des BNB sur ma chaîne gratuitement, tu vois. Voilà. Donc, ils ont dit ici, get 30% de BNB et 70% de Solana WAV. Voilà. À chaque personne que vous parrainez, tu vois. Chaque personne qui t'a parrainé, à chaque personne qui a réclamé cet airdrop et si ton lien, voilà. Toi, tu vas gagner 30% de BNB et 70% de Solana WAV, tu vois. Voilà. Donc, si tu voulais partager ton lien et pour avoir ton lien, tu vas si ton... Attends, après, je vais te montrer ça. Il faut pas que la vidéo soit longue. Donc, je vais te montrer après. Il faut qu'on réclame d'abord, voilà. Donc, pour la réclamation, tu cliques sur Claim Solana WAV ici, comme ça. Tu vois, une fois que tu as cliqué sur Claim, donc ça va s'afficher quoi? Et connecter. Donc tu cliques sur connecter. Une fois que tu as cliqué sur connecter, donc ça nous ramène ici. Appel contrat intelligent, tu vois, 0 moins 0,0035, qui est la valeur de 1,30$. Voilà. C'est parce que pour avoir notre airdrop, on doit payer les réseaux, les frais des réseaux, c'est normal. Voilà. Vous voyez, donc total maximum qu'on doit payer c'est 1,50$, voilà, pour avoir notre airdrop, voilà, pour avoir notre 100 Solana WAV, voilà. Voilà, ils ont dit aussi que 1 Solana WAV est égal à 10$ si il sera listé, si ça sera listé, tu vois, voilà, si ça sera listé, 1 Solana WAV est égal à 10$, voilà. Donc maintenant, si vous avez 1,50$ sur votre portefeuille, BNB Smart Chain, voilà, si ça se paye sur BNB Smart Chain. Si vous avez au minimum 10$ sur votre compte BNB Smart Chain, donc vous pouvez réclamer cette airdrop, tu vois, voilà. Donc après, il faut cliquer sur approuver seulement, voilà. Donc, clique sur approuver. Après, je me connecte et je vais activer mon connexion, voilà. Et là, c'est bon. Voilà, j'ai déjà réclamé. Voilà, une fois que tu as réclamé, et là, maintenant, pour activer sur ton portefeuille, maintenant, donc tu dois copier les contrats adresse. Tu vois, tu descends en bas ici. C'est ça les contrats. Tu vois, ils ont dit copier contrat. C'est ça. Tu cliques dessus seulement et ça va copier. Et là, tu vois, voilà, contrat adresse copier. Tu vois, tu cliques sur OK et c'est bon. Voilà. Une fois que tu as copié, tu sors de là. Tu cliques sur ce croix ici. Après, tu descends en bas ici. Voilà. Là où c'est écrit portefeuille, tout en bas ici. Tu cliques sur portefeuille. Une fois que tu as cliqué sur portefeuille, donc en haut, ici à droite, tu vois, il y a des petites barres là. Tu cliques dessus. Voilà. Une fois que tu as cliqué dessus, donc en haut ici, ça va être comme ça chez toi, tu vois. Donc en haut, recherche des jetons, tu vois. Là où c'est écrit recherche de jetons, donc tu colles l'adresse du contrat là-bas. Tu appuies un peu fort, après tu soulèves tes doigts et tu cliques sur coller seulement. Voilà. Une fois que tu as collé, ça va être comme ça chez toi. Ajouter un jeton personnalisé, tu vois. Donc tu cliques sur ajouter un jeton personnalisé, comme ça. Une fois que tu as cliqué sur ajouter un jeton personnalisé, ça va s'afficher chez toi comme ça. Voilà. Donc, il y a les réseaux Ethereum qui est là. Donc, on doit changer les réseaux Ethereum sur Smart Chain. Donc, toi, tu cliques sur Ethereum ici. Voilà.
Après, tu changes sur ce machine qui se trouve là. Voilà. Tu cliques dessus et là, tu vois, c'est changé. Voilà. Maintenant, tu colles l'adresse du contrat ici. Donc, tu cliques sur coller. Cliquez seulement coller, tu vas voir. Et là, tout va sortir, tu vois. Et adresse, c'est ça. Le nom, c'est Solana WAV. Et symbole, c'est Sol WAV. Tu vois, décimal, c'est 18. Après, tu cliques sur terminer. Et là, paf, directement, tu vas avoir ton 100 Solana directement sur ton portefeuille. Trop soit avec les amis, tu vois. Voilà, j'ai bel et bien reçu mon airdrop qui se trouve ici. Voilà, j'ai reçu mon 100 Solana WAV. Donc, c'est instantanément. Et c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.